Allez, c'est parti. Un petit sound check, tout va bien. Bonjour. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, je t'appelle par ton handle. Bonjour Chavenet. Je pense qu'on sera un peu moins nombreux. On a, on a du monde qui se déplace à Riviera Dev aujourd'hui, ce qui est cool. Mais on va quand même maintenir à cette petite émission calme puisque Olivier ne faisait pas son live, on va essayer de faire quelque chose. Bien le bonjour, monsieur Guillaume. Alors je sais pas pour vous, d'ailleurs il y a moins de luminosité, je pense que je me suis un peu caché sur la région lyonnaise. C'est un, un peu chaud sur la région là. On a des, des 36-37 la journée, la nuit, à minuit 1 heure du matin, fait encore 28, c'est compliqué de dormir. Donc je pense que je vais faire plein de, de conneries, pardon, plein de carmouze comme le dit si souvent uh, Vivox. Frédéric, très bien. Alors c'est pas en direct de rivière dev hein, sinon effectivement on aurait fait ça avec Olivier. Faut qu'on se planifie un truc, euh, monsieur euh, Monsieur Ponsetto. Euh, L'autre fois on s'est raté euh, au camping pour faire un truc. Faut qu'on réfléchisse à se faire un petit quelque chose ensemble. Ça pourrait être rigolo. De toute façon. On va commencer aujourd'hui. L'idée euh, dans cette chaleur euh, écrasante qui est la mienne, et avec la bonne dose de fatigue, c'était de faire le maximum de boulettes en codant avec vous. Euh, je voulais vous parler de plusieurs choses, mais qui vont tourner autour du code. Hop. On, bien sûr, on en discutera pour ceux qui le souhaitent euh, en dehors du live, en dehors du replay, si vous regardez sur, sur YouTube euh, après. On en discutera sur le Discord. Il euh, y avait deux petits sujets autour du code aujourd'hui pour moi. Je vais vous partager mon écran. Hop, comme ça. On y va. Je vous partage le premier lien. C'est euh, Pirates. Euh, en fait, euh, parmi les conversations euh, de la... Alors ça a commencé vendredi. Il y a eu deux, deux threads en parallèle qui ont beaucoup discuté. Euh, Bonjour monsieur Philippe, qui ont beaucoup discuté d'éducation de, bah, du code des choses comme ça, vous savez que ça me plaît bien. Et euh, dans les deux discussions, c'est assez marrant, parce que c'était deux, deux personnes différentes et des tas de gens qui contribuaient au, au thread. Il euh, y a un, un site qui est revenu euh, deux fois, qui était le site, euh, alors, je ne sais pas comment il le prononce, Pirates, Pirates. Pirates, comme on dit dans une certaine région. Euh, et j'y ai jeté un petit coup d'œil, j'ai trouvé ça assez mignon. Donc euh, je voulais commencer l'émission pour vous montrer un petit peu tout ça. Ah bah ça tombe bien ça. Première fois que tu te connectes et on fait un truc sur les pirates et les corsaires. Alors c'est plutôt sur les pirates apparemment. Je sais pas si le personnage de Jack c'est le pirate et Marie euh, la corsaire. Euh, voilà donc euh, un site a priori euh, pour euh, pour tous les âges de ceux qui souhaitent découvrir. C'est je vais vous le montrer tout de suite. C'est un de, de ces sites qui permettent d'utiliser du code pour jouer. Le lien du Discord est obsolète. Alors ça, j'aimerais bien euh, comprendre ce qui se passe. Parce que ce n'est pas la première fois. Je suis censé avoir fixé dans Discord. Merci. Euh... Donc Frédéric, merci. Je vais euh, rectifier ça. Alors je vais aller récupérer tout de suite. Hop, déjà, je vais comparer. Le lien que je vous ai mis est celui qui me met à jour là. Attends, je vais remonter un petit peu. Alors moi, il m'indique ce lien. Ah, oh, c'est encore pas le même, j'y crois pas. Donc ça, c'est le lien à jour. Voilà le lien pour être invité. Je vais quand même jeter un oeil parce que c'est quand même chelou. On va pas commencé déjà une carmouse. Je vais essayer de battre mes records aujourd'hui. Euh, paramètres du serveur euh... Euh, lien d'invitation ah mais bah, je suis en mode streamer activé je peux pas voir mon si si je fais comme ça yes mais je veux pas le mode streamer ah oui voilà ok ah, c'est sympa, c'est Discord, j'avais jamais fait gaffe, mais ils ont... Quand ils détectent, j'imagine, ça doit dé détecter quand on utilise, par exemple, OBS ou d'autres applis. On ne peut pas euh, partager à l'écran un, un écran depuis Discord où il y a des informations personnelles. Euh, notamment, là, j'étais sur la partie euh, sur le serveur. Hop, hop, hop. Le lien d'invitation personnel. Ouais, mais ça n'a pas basculé, là, je peux pas le... Alors... Je voudrais vérifier, sinon je le vérifierai en dehors, mais. Alors j'ai pas droit au lien personnalisé, il me manque un boost sur le Discord, mais ce n'est pas ce que je lui demande. J'aimerais juste qu'il m'indique le fait de ne pas renouveler. Ah, c'est fou ça. Euh, probablement un truc que j'ai zappé et qui a changé. Bon, je serai obligé de regarder. En tout cas, le lien Discord que je viens de vous mettre d'invitation, celui-là, il est à jour. Mais il se passe quand même quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi. Ok, admettons, ce n'est pas très grave. Je ferai une petite rectification en dehors. Hop, j'en profite. Pour mettre à jour le lien sur le Stream Deck. Mais ça m'étonne quand même cette histoire. Salut, Monsieur Raclepool. Ah bah tu tombes bien, je suis en train de parler de Pirates. Ça faisait partie des deux discussions en parallèle depuis vendredi. Et euh, dans la discussion que tu avais soulevée, il y avait des gens qui avaient suggéré euh, Pirates. Et donc je voulais le montrer aujourd'hui. Ok, bon, on va repartager. On va repartir là-dessus, c'est pas grave pour le lien Discord. Ah ouais, il me faudrait le tricorne, parce que là j'ai que... Ça peut le faire aussi, hein, mais euh, c'est pas pareil quand même. On voit que c'est commandant de bord, hein, ça fait pas capitaine. Hein. Et ça fait surtout pas pirate. Qu'est-ce que j'ai qui ferait de pirate là oh, J'ai rien qui ferait de pirate. Ah si, j'ai. J'ai. Ah, ça fait pas pirate, mais voilà. Ça fait vacances. Ouais, C'était Herbaden. Ah tiens, je vais vous faire un petit truc. Vous voyez ce magnifique chapeau là Eh bien j'y tiens énormément. C'était un chapeau qui appartenait à un de mes grands pères. Voilà, donc il est toujours à portée de main ici. Et donc vous allez avoir droit à une émission euh, spéciale vacances, on va dire. <laughs> donc euh, pirate, euh, je ne sais pas, mettez-moi dans le, le chat si vous avez une préférence entre le personnage de Jack et le personnage de Marie. Euh, vous avez le choix de, de ce petit personnage. Je ne je ne crois pas que ça ait d'incidence autre que l'avatar que vous allez diriger. Euh, vous avez la possibilité, euh, vous allez le voir tout de suite après, d'avoir des identifiants pour euh, rejouer derrière, euh, puisque c'est un système de niveau, donc euh, on va conserver la progression par rapport à cet identifiant. On peut jouer euh, bah, en français et en anglais, donc euh, euh, c'est pas mal ce genre de site, parce que j'en avais plein d'autres que j'ai du mal à conseiller, parce que c'est tout en anglais, donc c'est un peu difficile à aborder parfois pour les plus jeunes. Et nous avons pour l'instant... Alors nous avons Goose qui dit de prendre Marie. Et eh bien on va prendre Marie. Très bien. Hop. On l'a sélectionné. On fait. Je commence. Hop. Donc euh, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc euh, euh, vous fatiguez pas. Allez vous amuser ou vous connecter avec cet identifiant. Je ferai le ménage une fois terminé l'émission. Euh, voilà. Vous avez des, des petits puzzles. Donc euh, je pense que... C'est assez gros, je ne sais pas si je peux zoomer encore un peu. Là, vous voyez la zone de texte où il y a marqué avancé Je peux peut-être zoomer un petit peu quand même. Voilà, si, c'est bien fait. Alors, vous voyez, c'est très bien fait. Je suis en train de zoomer et ça zoome uniquement la partie où il y a du texte. Ça ne zoome pas la partie où il y a le, le petit jeu, le petit puzzle. Euh, donc, voilà. On vous donne un objectif qui est de ramasser la clé puis ouvrir le coffre. Donc, vous voyez, Marie est tout là-haut. Il faut qu'elle aille chercher la clé ici puis qu'elle aille ouvrir le coffre. Pour ce faire... Vous avez euh, pour l'instant des instructions euh, qui sont listées sur le côté, avancer, gauche et droite pour se tourner d'un côté ou de l'autre, et ouvrir quand on veut ouvrir le coffre. Euh... Il me semblait qu'il y avait. Ah, voilà. Et vous avez une contrainte à chaque fois qui peut changer. Euh, dans ce niveau, on vous dit que le programme ne doit pas dépasser 10 lignes. Et alors pourquoi Vous allez vite comprendre. C'est-à-dire que là, bah, on va commencer. Euh, je, je vais vous faire un, un petit exemple, hein, mais euh, je vous laisserai vous amuser euh, euh, avec ce genre de, de choses. Bah, voilà, avec vos enfants, avec, euh, avec des amis qui n'y connaissent pas forcément grand-chose sur le code, ça peut être sympa. Euh, si j'empile les instructions, on pourrait très bien imaginer, vous voyez, on va dire avancer. Donc si je l'exécute, là vous allez voir, on peut choisir la vitesse. Je vais dire d'aller vite, parce que j'ai déjà testé, c'est un peu long, sinon. Voilà. Avancer, il a exécuté ce que je lui ai demandé. Donc vous vous doutez bien qu'on peut continuer comme ça, on peut le. On peut demander à Marie de se tourner sur la droite, on peut lui demander d'avancer. Et donc à chaque fois, si je réexécute depuis le début, vous voyez, elle fait ce que je lui dis. Ce que vous vous doutez bien, là je vais récupérer la clé et je vais faire plein d'avancées, donc là il y en a vraiment beaucoup, ça va me faire plus de 10 lignes. L'idée étant de tout de suite montrer qu'il y a une notion de boucle. Euh, qui est possible. Donc là, on a l'explication à côté. Alors, je passe juste la souris. On dit que la boucle force c'est pour répéter un certain nombre de fois. Je clique dessus. J'ai des explications. Alors, euh, j'ai pas encore trouvé le, le pourquoi, mais euh, les exemples à chaque fois, ils mettent un exemple en Scratch et la version en Python. Donc euh, là, bien sûr, c'est du code Python. Donc il doit y avoir un mode qu'on peut activer en mode Scratch. Euh, J'avoue, j'ai pas, j'ai pas creusé. Donc je sais pas s'il y a un endroit où on peut switcher. Toujours est-il que ils expliquent avec quelque chose d'un peu visuel. Ils auraient pu mettre du EduBlocks par exemple, dont je vous avais déjà parlé. On reparlera d'ailleurs de EduBlocks puisqu'ils ont euh, intégré euh, tout un programme de machine learning pour les enfants. Donc on pourra s'amuser avec ça. Donc toujours est-il bah, on peut continuer son petit code. Vous avez vu que j'ai fait, euh, fait avancer Marie. Quand elle est retombée là, on l'a fait tourner à droite. Elle a avancé. Elle tombe là, bah, on va la faire tourner sur la gauche. Une fois qu'elle est tournée à gauche, on la fait avancer. Ce qui va automatiquement lui permettre de récupérer la clé. On la fait retourner du côté droit. Et puis là, alors. Hop. Même si je ne suis pas super fan, parce qu'on explique la notion de boucle, mais en zappant le fait qu'il y ait une, normalement une variable qui sert à itérer dans la boucle. Soit, admettons. Après, c'est quelque chose d'utile hein, en Python. Il hein, y a parfois besoin d'ignorer. Euh... C'est juste à titre informatif, tu as regardé euh, Pulpito. Monsieur Racle Poulpe. Euh, pourquoi pas, c'est visuellement intéressant. Euh, donc si Marie est là, il va falloir qu'elle avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et quand elle arrivera là, il faudra qu'elle qu ouvre le coffre. Donc avancer, hop. Et quand on est arrivé, ouvrir. Et normalement, on ne devrait pas être mal. On va vérifier, savoir si on a fait ça correctement. Quel suspense, Marie va-t-elle arriver jusqu'au coffre avec la clé Voilà. Et ça m'indique soit je peux le rejouer si je veux le faire différemment, soit passer au niveau suivant. Et vous aurez compris le principe, à chaque fois ça va s'enrichir de, de nouveaux éléments. Euh, là, on va avoir l'instruction qui permet de sauter et de sauter par-dessus, enfin en tout cas d'arriver au-dessus d'un baril. On saute d'une hauteur d'un bloc et on avance, comme le dit l'instruction. Donc, on va faire une première boucle pour faire tout ça, récupérer la clé. Une fois qu'on est tombé, on va descendre là, on va mettre des coups d'épée et on va traverser tout l'écran. À dire avec l'accent burgonde, tu m'étonnes. <laughs> Bravo! Mais je vous remercie pour cette confiance en mes compétences de développement. Donc voilà, je voulais, je voulais en parler parce que c'était rigolo d'avoir cette discussion en parallèle par deux personnes initialement. Euh, et puis de voir que bah, Pirate était cité dans les deux cas. Et je peux comprendre parce que j'ai peut-être comme ça des exemples d'autres jeux qui sont plus progressifs. C'est-à-dire que là, ça il va quand même d'un coup, hein, je vous cache pas que d'aller direct sur les boucles. Euh, c'est pas forcément ce qui est le plus intuitif, mais enfin, si vous guidez un peu la personne, après, elle va s'en sortir. Par contre, euh, c'est dès le début en français, et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que ça permettra aux plus jeunes euh, ou à tous ceux qui ont euh, des difficultés avec la langue anglaise, bah, ça leur permettra quand même euh, de profiter de ce petit, euh, petit site-programme qui est très bien fait. Donc, pirate. Euh, L'autre chose dont je voulais vous parler, j'avais dit que je sais. pas, j'avais déjà évoqué, je ne savais pas si j'aurais le temps de m'en occuper ou pas. C'était, je vous rappelle, sur Reddit, il y avait euh, un, un lien qui parlait d'un en fait, tutoriel pour faire un petit roguelike. Euh, chaque semaine, il euh, y a une étape à franchir. Euh, je n'ai pas encore suivi quelles étaient euh, les conséquences. Est-ce qu'il y avait des, des dialogues particuliers entre les gens qui participent Je ne sais pas. Hop mais au lieu de vous mettre le lien euh, sur le, la discussion initiale, je vous mets le lien où il y a le petit résumé. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est tous les mardis. Ah oui, c'est marrant qu'ils n'aient pas remis les dates là. Voilà. Donc c'était le 4 juillet la semaine dernière, il y avait la, la partie 0 et partie 1. Euh, demain, il y aura partie 2, partie 3, et ainsi de suite. Euh, ils, ils incitent, vous verrez dans la discussion pour ceux qui souhaitent. Je vais peut-être vous agrandir la discussion parce que là, vous n'y verrez pas assez. Là, c'est assez grand aussi, voilà. Euh, et donc, ça envoie sur un tutoriel que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils le font en plusieurs temps, comme ça, en, en cascade. Si je vais là, ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est la même chose. Bon. Donc, là, c'est le résumé avec les gens qui participent. Je ne sais pas si je demanderai à apparaître. Ça, pas forcément, euh, même pas de, je crois pas que j'ai de login sur, euh, sur Reddit. On verra. J'y réfléchirai. Ce pas le plus important. Euh, par contre, hop, si on vient ici, on voit que bah, les, deux, les deux premières choses à faire la première semaine, c'est le setup et puis euh, la capacité à dessiner le symbole arrobase et de le déplacer, qui seront les bases de ce tutoriel pour faire un roguelike. Donc, hop, on va partir sur le setup qui vous explique euh, bah, qu'il faut installer Python et ce genre de choses. Mais juste avant, comme je compte euh, bah partager, euh, si, si je vais plus loin, on verra jusqu'où ça va, au moins ce qu'on aura fait aujourd'hui. Et ben bah, je vais vous proposer... Hop, alors moi ça ne sera pas sur GitHub, ça sera sur GitLab, question de préférence personnelle. Ça ne change pas grand chose. Et j'avais déjà fait une vidéo, mais en même temps, ça fera un petit résumé. J'ai cliqué sur le nouveau projet, je crée un projet qui sera vide. Hop. On va l'appeler roguelike Tuto. Je le mets dans mon espace. Hop. Il y a des notions de namespace, puis on peut à, appartenir à des groupes euh, qui peuvent rassembler plusieurs personnes, des choses comme ça. Donc là, je vais le mettre sous mon sous mon nom propre. Pas de déploiement pour l'instant. Je le laisse en privé. Je le basculerai en public juste après. On va laisser un readme, c'est une bonne idée. Hop, on crée le projet. Voilà. Et donc à partir de là, vous voyez, il y a un, un petit readme, on va dire basique, et qui en plus vous indique ce que vous avez à faire si vous voulez ajouter les fichiers d'un projet existant. Bon en l'occurrence, je n'ai pas encore de projet, donc c'est pas très important. On va aller sur clone. Euh, moi j'ai déjà ma machine, alors s'il y en a que ça, ça intéresse en particulier, mais euh, euh, on peut euh, avoir plusieurs façons de récupérer et d'interagir avec GitLab comme avec GitHub d'ailleurs. Soit par la partie HTTPS, on s'identifie avec son utilisateur et son mot de passe, soit avec une clé SSH, donc c'est ce que j'utilise, ma machine étant enregistrée. Euh, je récupère le lien, hop, je vais dans mon petit répertoire projet, donc vous me dites hein, si c'est pas. Euh, suffisamment gros pour suivre en termes de police de caractère. N'hésitez pas, je peux encore zoomer dehors. je peux le faire allez, un petit coup préventif, l'attaque. Euh, alors pas que ça dépasse, c'est bon, j'arrive à tout voir. Donc on fait un git clone et puis l'URL qu'on vient de récupérer. On va dans le répertoire là rog like tuto. Et puis la suite, bon je pourrais faire depuis le terminal, mais on va lancer un petit vs-code Donc le fait de faire code point depuis le terminal, ça va lancer VS Code. Euh, avec le répertoire euh, dans lequel on est. Voilà. On va faire une petite retouche euh, vite fait hop, dans le README. Je ferai des choses plus détaillées après. C'est pour ça que je laisse en privé. Je mettrai du détail. Je mettrai notamment les liens vers le, le projet, le tuto, pour qu'ils aient les, les références vers le tuto complet. Euh, hop. Voilà, comme euh, sur Reddit c'est plutôt euh, anglophone, j'ai laissé un texte anglophone et ma foi ça ira très bien. Hop, j'ouvre un petit terminal depuis VS Code. Voilà, donc j'ai tous mes éléments. Euh, si je retourne sur les conseils qu'il donne, vous verrez, Alors, je peux me zoomer encore un petit peu. Ah il te plaît le chapeau, bah écoute, euh, ouais mais je suis pas sûr de l'amener au boulot, euh, j'y tiens trop à ce chapeau. Hein. Là il est chez moi, c'est maîtrisé, tout va bien, j'y tiens trop. J'en ai d'autres de chapeaux de paille que je peux vous montrer, mais euh, avec une couleur rouge. J'attends les chapeaux de paille bleus euh, d'OVH. Donc voilà, dans l'installation, on vous explique, euh, enfin on vous donne les liens pour installer Python, pour installer une librairie que je ne connaissais pas qui s'appelle T code T-C-O-D, T-C-O-D, euh, qui va permettre de, de visiblement de gérer l'aspect graphique, si j'ai bien compris. J'ai pas, pas creusé plus. Hein, C'est la surprise pour moi. Je le fais vraiment. C'est un truc qui est longtemps que j'avais pas fait avec vous de faire un peu de live coding. N'hésitez pas à me le dire ici ou dans les commentaires ensuite dans, dans le replay sur YouTube. Euh, savoir si je le fais régulièrement ou pas. Je prévoirai des séances d'autres jours et je garderai calme pour les news éventuellement. Et euh, moi, ce qui m'intéresse dans les explications qui sont indiquées ici. Euh c'est voilà, ici euh, on vous indique que bah, c'est peut-être une bonne idée d'avoir un fichier euh, requirement.txt euh, qui en Python sert à décrire les librairies que vous voulez installer, les dépendances que vous allez avoir et accessoirement où est-ce qu'ils en parlent Est-ce que je vois qu'ils font la mention à deux endroits Bref, euh, soit vous êtes directement sur votre machine, soit ce que je conseille. Euh, c'est d'utiliser la, la capacité de Python à avoir des environnements euh, euh, des virtuels, virtual env qui sont des environnements où vous allez pouvoir séparer un petit peu le contexte de librairie que vous allez ramener de dépendance et c'est tout simple pour faire ça vous lancez la commande alors c'est pareil peut-être qu'il faut que je zoome un petit peu là pareil vous me dites si c'est pas assez gros trop gros je lis le chat en même temps vous faites appel à Python, la commande Python vous lui dites avec le tiret m que vous allez utiliser un module. Le module qu'on va utiliser s'appelle venv pour virtual environment. Et puis bah, vous le nommez ensuite euh, le nom que vous voulez pour cet environnement virtuel, en sachant qu'il va le créer dans le répertoire où vous êtes. Donc là, je vais le créer euh, au niveau de, de, de mon projet, mais euh, bon, sur cette machine je fais comme ça. Il y a des machines où je, je crée un répertoire où je mets tous mes environnements virtuels. Ça me permet d'en avoir certains qui me servent pour des tests précis. Pas forcément lié à un projet mais à plusieurs. Toujours est-il que là pour ce projet on va créer un environnement virtuel. Vous allez souvent, souvent voir dans les, les tutos et les sites web, on vous conseille d'écrire python mvenv donc l'utilisation du module Venv, et derrière d'appeler le répertoire Venv. Moi je trouve ça un petit peu. ça rend les choses confuses. Euh, donc euh, autant, autant lui donner euh, un nom euh, qui vous parle, ou en tout cas qui ne crée pas la, la confusion. Donc je sais pas, euh, on peut l'appeler euh, c'est le le Python. Oh, bah, Hop bravo. <laughs> c'est un Python rogue. C'est la base les Véanves. Eh ouais, tu fais ça depuis 15 jours grâce à moi. <laughs> je sais pas, il y a peut-être mieux hein. Attention, hein, je reprends ce que je dis régulièrement. Python, c'est un langage que j'utilise assez régulièrement, ça ne veut pas dire que j'ai une maîtrise totale et absolue. Donc n'hésitez euh, pas que ça soit là en direct ou plus tard euh, dans le replay sur YouTube. Euh, je lirai vos commentaires. C'est de meilleures façons de, de procéder, euh, faut pas hésiter. Par exemple, euh, mais là ça ferait beaucoup de tout vous montrer d'un coup, on peut aussi utiliser un autre outil pour gérer euh, son environnement virtuel, ses dépendances et même le lancement du programme. Euh, c'est l'outil Poetry. Euh, je pense que je ferai une vidéo à l'occasion. Euh, qui permet de, de gérer tous ces concepts-là de manière un, un peu différente, avec un autre format de fichier pour décrire tout ça. Et vous allez pouvoir, grâce à un fichier qui décrit tout ce qu'il faut, euh, fournir toutes ces clés-là à quelqu'un qui voudrait avoir son VENV comme vous, les dépendances comme vous, et des réglages comme vous. Ça fera l'objet, je pense, d'un autre, autre projet, ou peut-être celui-ci, parce que rien ne m'empêche après de récupérer le projet, on verra. On va commencer simple. J'ai créé, voyez, donc euh, avec la commande Python 3-mv et puis le nom que j'ai voulu lui donner. Et pour activer votre environnement virtuel, c'est tout simple. Donc je... Les commandes que je vous indique, c'est ce qui est valable pour macOS et pour Linux. Euh, je ne connais pas l'équivalent pour, euh, pour Windows. Je pense qu'ils fournissent un autre, une autre forme de, de script. Donc là, vous allez, vous allez utiliser la commande source qui va permettre en fait d'exécuter quelque chose et euh, de, de le de conserver l'environnement dans votre terminal. Donc, hop, je lui dis de sourcer le fichier qui se trouve dans le répertoire Python Rogue qui vient d'être créé. Euh, il y a un sous-répertoire qui s'appelle bin et un script qui s'appelle activate. Donc je l'ai lancé et comme vous le voyez, parce que je suis un grand fan de Homais et des Saches, euh, il y a pas mal de petites choses qui apparaissent euh, de manière dynamique en fonction de ce que vous faites. Notamment, vous voyez au début de ma ligne et eh il m'indique que j'utilise un environnement virtuel qui s'appelle Python Rogue. Et le deuxième élément aussi, mais qui était déjà tout à l'heure. Il vous indique que en termes d'informations git, euh, vous êtes dans un répertoire donc, qui euh, est géré par l'outil Git et vous êtes dans la branche main. Euh, on verra après si on fait des issues par semaine ou des choses comme ça. Là on va on va avancer comme ça pour une première, ça fonctionnera. On va se créer un petit répertoire, alors soit par l'interface de VS Code. Euh, soit par euh, la ligne de commande, c'est comme vous voulez. Euh... Petite astuce au passage, si je vais... Alors je le fais avec VS Code parce que je sais que vous êtes nombreux à préférer ce genre d'usage plutôt simple. Vous euh, voyez qu'il m'a mis euh, en fait tout ce qui va être dans le répertoire euh, euh, Python Rogue, il va tout me mettre dedans en fait. Donc ça fait beaucoup de choses que je ne souhaite pas pousser dans Mon répertoire dans mon repository de projet, donc vous pouvez aller faire ici un add to gitignore.gitignore. .gitignore. Donc il m'a créé juste pour ce fichier là, c'était pour avoir quelque chose de simple. Hop, et si j'édite le fichier gitignore, vous voyez, il m'a mis python rock slash bin slash activate qui était le nom du, du fichier, mais si je lui mets juste le nom du répertoire, il va ignorer euh, tout ce qui est dans le répertoire, et vous voyez que du coup. En termes d'usage de, 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 de Git, il y a le fichier README que j'ai modifié puisque je l'ai édité, et le fichier Gitignore. Pour l'instant, il n'y a pas le répertoire SRC qu'on vient de créer, puisqu'il n'y a pas de fichier dedans. Donc il considère par défaut qu'on ne pousse pas les, les répertoires nuls. C'est un réglage qu'on peut changer, mais je l'ai laissé tel que. Voilà, on va retourner sur la page de setup. Donc on vous dit d'installer Python, on vous dit éventuellement d'installer à la main, mais de toute façon, on vous fait un petit résumé. Et on vous dit que les deux choses que vous allez utiliser pour l'instant, c'est la librairie T-code, avec une version supérieure à la version 11.13. Et je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Ils utilisent la librairie euh, NumPy, qui est une librairie euh, euh, qu'on va beaucoup retrouver en data science, notamment, qui permet d'avoir des, des fonctions de, de calcul plus rapides euh, que si vous faisiez appel aux fonctions mathématiques directes de Python. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces, euh, ces indications. Ici, à la racine, je crée le fameux fichier requirements.txt, j'ai oublié un t. Hop. Alors, à l'anglaise, hein, requirements.txt. <laughs> je mets les deux indications. Alors, ça veut dire que je vais utiliser la librairie T-Code, je vous ai dit, avec une version supérieure à 11.13 et la librairie NumPy. Et ce que vous faites derrière... Vous allez faire appel à l'outil PIP, qui est l'outil qui permet de gérer... Euh... Tu follow pour l'accent Ah, merci, Cucu, tu me fais plaisir. <laughs> je peux, je peux t'en faire plein des accents bizarres, ils ne sont pas toujours contrôlés. Je, je m'excuse auprès de toutes les personnes réellement anglophones et bilingues. Euh, J'utilise donc PIP, qui est l'outil de manipulation des dépendances et des librairies. Bonjour, Chajou. Et je vais lui dire euh, d'installer. Donc on fait PIP install. Et normalement, derrière, on donne les indications pour mettre la librairie. Là, ce que je veux lui demander, avec l'option -r, c'est d'utiliser le fameux fichier de requirements. Hop, je fais entrer. Et là, en fait, si vous regardez, si vous êtes curieux de ce qui s'est passé, il m'a certes ramené les deux librairies que j'ai indiquées, mais au passage, euh, bah, ces fameuses librairies avaient besoin d'autres elles-mêmes de dépendance, et ça a permis d'amener tout ce qui était nécessaire. Euh, il me signale au passage que voilà, ça ne mange pas de pain. C'est le genre de choses que je fais régulièrement. Je mets à jour l'outil PIP lui-même, comme ça on est bien. Donc j'ai suivi euh, l'installation de Python, j'ai euh, l'installation des librairies. Après, euh, en ce qui se concerne les éditeurs, euh, ils vous conseillent soit PyCharm, soit euh, Visual Studio Code. Euh, J'aime beaucoup PyCharm. Mais il se trouve que euh, bah, je vais plutôt euh, suivre un petit peu leurs recommandations sur, euh, sur Visual Studio Code, je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à utiliser ça. Et pour répondre à Chajou, et bien Chadev euh, du roguelike. Euh, je peux peut-être remettre le lien pour ceux qui sont arrivés en cours de route. C'est suite, euh, j'en avais parlé dans une autre émission, dans un autre calme, un autre lundi, euh, sur Reddit ils avaient lancé un thread. Euh, qui parlait d'un roguelike tutoriel. Donc les, les roguelikes, c'est un type de jeu. Et ça permet d'apprendre à développer ce type de jeu. Et puis on peut s'y inscrire pour, je sais pas, échanger entre personnes qui participent, les choses comme ça. Donc je m'inscrirai sûrement. En l'occurrence, je serai obligé de créer un compte Edit, ma foi, on n'est pas à ça après. Et euh, bah je, suis, je suis les étapes. Et euh, l'étape de la première semaine qui démarrait en fait le 4 juillet, c'était les parts. Alors, 0 and 1. 0 c'était setup. Et après, on avait... Un petit euh, apprendre à dessiner le symbole arrobase avec la librairie qui nous fournissent et puis se déplacer et puis après vous voyez euh, il y a tout un tas d'autres évidemment pour les autres les autres semaines on va faire la game look on va s'occuper du monde de la de la map de la designer des choses comme ça donc on en est euh, on a installé python on a installé librairie et là et eh ben il va falloir euh, commencer à tester tout ça hop il vous donne alors, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec la première ligne, parce que je ne crois pas que le lien symbolique soit fait comme ça. On vous dit de créer un fichier euh, main.py et de mettre ce code dedans. Alors on y va. On va créer dans mon répertoire. Alors j'ai pas fait comme eux, ils ont tout mis en vrac, euh, peut-être qu'ils en parlent plus tard, mais autant séparer les fichiers de source quand même dans un répertoire, c'est pas plus mal. Voilà, on va se contenter de ça. Euh, je vous montrerai plus tard, au, fu au fur et à mesure de l'évolution du, euh, du tuto, ça sera pour moi l'occasion de vous montrer quelques outils Python que j'utilise régulièrement, des outils de formatage de code, des choses comme ça. D'ailleurs, là, je pense qu'il y en a un qui a dû être activité par défaut, mais bon, bref, peu importe. Euh, et là, on vous dit, hop, si je retourne sur la page, vous avez tout ça. Vous pouvez euh, lancer, euh, suivant l'outil que, que vous avez, euh, vous allez faire appel à Python. Pour lancer le, le fichier main, ou euh, si vous êtes depuis euh, PyCharm, vous utilisez les fonctions de PyCharm. Eh bien écoute, Chajou, euh, dégonfle, dégonfle tes bourrelets et puis euh, passe sur le replay euh, et repasse la prochaine fois. C'est avec plaisir. Salut On va aller ici. Donc là, je vous rappelle que j'ai l'avantage de VS Code aussi, mais vous l'avez aussi dans PyCharm. J'alternerai peut-être, tiens, je suis en train de penser, je vous montrerai l'utilisation de PyCharm. Euh, pour, pour peut-être la semaine qui suit. Donc là, on a vraiment un code euh, minimal. Vous avez, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec Python, euh, cette ligne ici, euh, qui euh, teste si la variable underscore underscore name underscore underscore est égale à cette valeur main. Euh, C'est une variable, euh, quand on exécute du Python, qui fait que euh, on sait si on est en train d'exécuter comme un script ou euh, comme un programme. Et la fonction main pour l'instant, tout ce qu'elle fait, c'est afficher le texte Hello World. Hop, on va faire Python SRC main. On le lance, et effectivement, c'est sans surprise, nous avons bien la chaîne Hello World qui apparaît. Donc euh, pour l'instant, tout va bien. Euh, J'imagine qu'ensuite, voilà, ils vont commencer à vous faire tester d'autres. Alors c'est assez rigolo. Ok. Donc pour ce tutoriel, on vous demande de télécharger une, un fichier d'image et on peut le sauvegarder directement. J'enregistre l'image. Euh... Donc on était dans le projet Rogue. Voilà. Euh... Il donne pas de conseils, mais vous pouvez faire soit un répertoire images, soit un répertoire assets dans lequel vous allez mettre tout ce qui n'est pas votre code dans un premier temps. Et puis euh, bah je vais lui laisser son nom, parce que je ne sais pas si ça a de l'importance pour la suite. On va voir. Je le laisse sous ce nom-là, on verra bien. Voilà. Euh, il vous explique un petit peu comment ils présentent leur code snippet. Euh, très bien. Avec le système de diffing. Donc là, c'était la partie 0, c'était vraiment la partie setup. Euh, oui, ça va faire une émission peut-être un peu plus grande que d'habitude, mais je tenais vraiment à vous montrer PyRites Pi euh, juste avant. Donc on va quand même enchaîner sur la, la partie 1, qui me paraît longue. Donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de la finir en direct aujourd'hui, mais euh, je, je vous tiendrai au courant et j'enregistrerai mes progrès ou je le ferai en live si je le peux systématiquement. Euh, alors. Donc ils expliquent d'où ils ont euh, tiré leur inspiration pour ce, ce tuto. Voilà, donc ils rappellent que on est censé avoir fait la, la première partie, la partie 0, dans laquelle on a installé Python et la librairie Tcode. Le mainp, hop, avec ce code là, très bien. Euh, bah C'est ce que je vous ai dit, voilà, il, il vous indique un petit peu... Euh, le sens de la fonction main. Il vous donne même un lien avec des explications détaillées sur Stack Overflow. Donc vous pouvez vraiment creuser. Donc pour l'instant, il donne pas bien la main. Euh... Ok. En fait, il vous demande de, de copier des exemples de texte. On va continuer hein, pour confirmer que l'installation est bonne, je suppose. Pour aller jusqu'au bout. Hop. On détaillera juste derrière. On va faire ce qu'il nous demande. Et il vous demande de lancer euh, main.py et on devrait voir apparaître le symbole Mais comme ça à vue de nez, je vais vous le faire comme ça. Et euh, comme j'ai pris une décision qui n'était pas dans le tuto, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, il y a une erreur visiblement pour lancer. Et euh, donc ça, c'est la tête, c'est ce qu'on appelle la stack trace en Python. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. On vous dit qu'en partant de la ligne 31, la ligne 31, c'est là où il y a le main, mais on rebondit en fait, c'est dans la ligne 8, qui correspond à cette instruction-là. Et on creuse et on creuse et on creuse. Et la raison au final, c'est. On n'a pas trouvé le fichier déjà vu 10 euh, par gs. Voilà. C'est le fichier image qu'on a sauvegardé. Et effectivement, si vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure, je l'ai mis dans un répertoire qui s'appelle Assets. Donc c'est pas très grave. Là c'est la déclaration. Euh, on va hop, redescendre un petit peu la fenêtre. Si vous regardez tout ce qui nous a mis à l'intérieur du code, euh, bah, la fonction main euh, il déclare ce qui va correspondre à la taille de l'écran. Et ensuite, euh, il va charger euh, la ressource. Donc là, j'ai installé l'extension le, Python qui permet d'avoir la doc. Donc, euh, du coup, j'ai l'aide qui vient de la librairie euh, Tcode. On vous dit qu'un tileset. Le euh, tileset est tout ce qui concerne les fontes. Ça va vous permettre de manipuler euh, ces, ces objets graphiques. Et ici, l'idée, c'est de charger ce qu'on appelle une tile sheet, qui est ni plus ni moins que l'image. D'ailleurs, je vais peut-être vous la montrer je pense que je dois pouvoir l'ouvrir directement dans VS Code. Voilà, vous voyez. Donc, c'est une image, mais euh, si on regarde bien cette image, si on réfléchit bien, si j'imagine là, vous voyez, des colonnes et des lignes, on voit qu'on a euh, des cases qui représentent euh, bah, les polices de caractères utilisées, en l'occurrence la fonte qui souhaite utiliser ça pourrait être euh, comme dans certains jeux les sprites en tout cas ça va être les unités graphiques que vous allez pouvoir manipuler et l'idée hop si on retourne dans le code c'est que vous allez charger tout ça et après vous allez le découper de façon à pouvoir récupérer euh, ce qui va correspondre à votre caractère et ainsi de suite donc tout ce que j'ai à faire vu que l'image on va voir si je me trompe c'est de lui dire que c'est dans le répertoire assets voilà donc là, je suis désolé, je ne peux pas zoomer plus. Vous voyez, ça m'a ouvert une, une fenêtre au milieu de l'écran, une fenêtre graphique. Donc, ça, c'est la librairie T-Code. Euh, ça a chargé la CETS. Si on voit un petit peu derrière ici, ça a déclaré un contexte. Donc, euh, bah, j'irai voir, j'irai lire ce qu'ils appellent un contexte dans ce cadre-là. Si on fait l'aide comme ça, voilà, on vous donne les explications. Euh, hop Ensuite, on lui demande de créer ce qu'il a appelé un new terminal. On lui donne une hauteur, une largeur. On lui donne le taille set. On lui donne un titre. Yet another Rug Light -like Tutorial. Si vous regardez tout en haut de la fenêtre, même si c'est tout petit, dans la partie blanche de mon terminal, le titre, il a bien été euh, mis comme, il a, comme je l'avais demandé. Et puis après, on va aller voir euh, les explications sur le site. Mais en gros, euh, ça se met en place. Ça affiche euh, dans... Euh, donc, la fameuse console qu'on a créée, euh, ça affiche le caractère arrobase. Et on attend de recevoir un événement de type quit pour terminer l'application. Donc, si je vais ici, donc échappe, ce n'est pas un signal de quit pour lui, mais si je fais la fermeture par la croix, voilà, tout va bien, il a reçu le signal. Et l'application est terminée. Au passage, alors même si c'est un tuto, vous voyez, on voit dans la partie en bas du terminal que euh, on vous donne un petit conseil là. Sur la ligne 19, il ne faut plus utiliser tes codes console, il faut le remplacer par tes codes console.console. .console. Bref. Il y a une réorganisation de la librairie qui est en cours et il vous donne les indications pour euh, eh ben, vous préparer à une prochaine version où votre code risque de ne plus marcher, mais on vous a indiqué euh, comment, comment l'adapter. Donc on est pas mal. Si je regarde bah, l'explication, c'est un peu ce que je vous ai dit là, ma foi. Je me suis pas trop trompé. Euh, je vous laisserai lire les explications exactes, mais il reparle de, du tileset, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Euh... Voilà, la fameuse route console. Et donc là, pour l'instant, ils expliquent qu'il y a des paramètres qui n'ont pas encore de sens tant qu'on n'est pas allé plus loin dans le, dans le développement, mais que ça viendra. Ils vous expliquent le concept de boucle while. Euh, c'est ce qu'on va appeler, en fait... Alors, c'est cette partie-là. Hein, c'est à partir du moment où vous arrivez à ce niveau-là, le while true, toute cette zone-là, vu que la condition est toujours vraie, ben on va boucler en permanence et on considère que c'est la boucle de jeu. Euh, C'est ce qu'on expliquera après dans, les, dans le, bah, la semaine qui commence en fait demain, dans les parties 3 et 4, non, 2 et 3, pardon, où on va détailler la, la boucle en question. Euh, on voit au passage qu'il euh, y a un, une instruction particulière sur le fameux contexte, euh, qui est d'appeler la méthode present, qui va permettre d'afficher la, la fameuse route console, sinon le caractère n'apparaît pas. Et puis la boucle d'événements que je vous ai indiquée pour dire, ma foi... Bah, c'est comme ça que euh, on affiche concrètement le résultat alors on commence à vous suggérer des modifications et puis moi je vais vous suggérer il fait chaud hydratez vous je vais boire un coup si vous permettez Donc, on vous dit que ben, si on veut, euh, je vous rappelle que l'objectif de cette euh, part 1, c'est d'avoir le à l'écran et de le déplacer. Donc, euh, on considère qu'il va falloir euh, qu'à tout moment, comme c'est un jeu en, en 2D, il faut qu'on ait la position du joueur, donc ses coordonnées x et y. Et euh, pour ce faire, eh ben, on vous signale dans un premier temps qu'on va créer deux variables, player x, et playery. Euh, qui par défaut prendront la valeur bah, la moitié de la hauteur pour euh, la moitié de la largeur pardon, pour la valeur x et la moitié de la hauteur pour la valeur y donc là il va y avoir le petit plus qui va hops, euh, voilà, je sais pas si on pourrait prendre l'original peut-être ouais, ouais. au lieu de faire le diffing si vous voulez copier le texte vous cliquez sur le bouton original ça vous évite d'avoir un mélange donc c'est après hop, euh, voilà, respecter les indentations. Donc on a créé nos deux variables. Oups. Là, il vous indique toujours pareil les explications sur comment on gère. Euh, C'est l'explication de comment ils présentent leur code, pourquoi il y a des points, points, points. C'est parce qu'il y a encore du code autour. On fait ce qu'ils appellent une ellipse et puis il roule. Euh, on a créé des coordonnées. Maintenant, au lieu d'afficher euh, le caractère arrobase à la position 1-1 de manière arbitraire, on va dire, eh ben, je vais l'afficher. Euh, aux coordonnées euh, du joueur, c'est-à-dire player X et player Y. Donc, on va remplacer hop, dans la boucle, euh, pop, pop, je l'ai perdu, ça y est, hop, voilà, ici, au début de la boucle tout bêtement, et on va remplacer ça par euh, bah, l'afficher avec les valeurs de ces deux variables. On vous dit de lancer à nouveau le code et normalement, ça devrait apparaître au milieu de l'écran. Donc, on va vérifier ça. Il faudrait que je trouve un moyen, parce que oh, si on voit quand même qu'il y a quelque chose au milieu, là vous le voyez, ouais. Donc là on a bien effectivement mes coordonnées x et y, là on est bien au centre de l'écran, tel qu'attendu. Ensuite, ce qu'on vous dit, il va falloir s'occuper de déplacer euh, ce, ce caractère. Et euh, en fait, on va euh, utiliser tes codes qui euh, permet de, de capturer euh, les, les événements, notamment les actions de l'utilisateur. Alors je lis en même temps que vous. Hein. On avait alors, dans les événements, on avait le fait d'avoir euh, l'événement euh, quit pour euh, finir et quitter l'application. Alors, qu'est-ce qui nous suggère Très bien. Ils vous font une très très bonne suggestion qui est de ne pas mettre tout votre code dans un seul et unique fichier, euh, mais de commencer en fait à, à préparer la suite et à remplir euh, bah, d'autres euh, fichiers avec les différents euh, éléments nécessaires. Alors on vous demande de créer un fichier qui va s'appeler inputhandlers.py ça vous plaît, il paraît que mon accent vous plaît. Moi je l'aime bien mon accent, je l'assume. Oh, pas de problème. Et un deuxième fichier, action.py. Dans ce fichier d'action, ah, c'est intéressant là, tac, on vous demande déjà de créer cette carcasse. Alors, Donc, vous pouvez suivre hein, le tuto par vous-même, l'idée c'est si vous. Euh, buter un peu sur l'anglais ou que vous préférez suivre comment ça se passe je vous le fais au fur et à mesure ce fichier bah, du coup on vient de créer trois, euh, trois classes une classe action une classe escape action et une classe movement action et ici la fonction def souligné souligné init souligné souligné parce qu'il y en a qui veulent pas que je dise underscore euh, qui est la méthode en fait appelée quand vous construisez une classe en, en Python c'est les c'est la façon d'initialiser votre classe, c'est le constructeur. Euh, on fait appel à Super Init et on positionne dx, dy qui va être, je pense, l'incrément de mouvement qu'on va faire dans une action euh, pour, pour ça, pour initialiser. Très bien. Euh, Est-ce qu'on vous en dit un peu plus Donc c'est ça, euh, action, c'est euh, la, la classe euh, générique. On va avoir... Euh, Escape Actions qui va gérer le fait d'appuyer sur la touche euh, Escape pour euh, sortir du jeu, contrairement à jusque-là où on avait cliqué en fait dessus. Et puis l'action la, de mouvement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parlais du dx dy qui va représenter l'écart de mouvement entre les deux. Euh, ensuite, on va remplir la partie input Enders. D'accord. Et si on le crée dans un deuxième temps, c'est vous allez le voir tout de suite. Hop, si je vais dans input handlers. En fait, on va gérer les actions euh, clavier et en fonction des actions clavier, on va déclencher une de ces euh, actions qu'on vient de décrire dans le fichier action.py. Euh, je pense que ouais, c'est ça. On va créer en fait une, une classe pour gérer euh, la partie euh, événementielle, donc c'est un event handler. Euh, qui euh, va. Euh... Oups, je vais vous reprendre le truc ici. Ah, ils prennent même les imports, donc on peut parler des imports si vous voulez aussi. Voilà, donc en plus c'est intéressant pour ceux qui, euh, qui disent qu'il n'y a pas de type dans Python, il y a quand même des notions euh, de hint, et euh, on peut par exemple euh, utiliser euh, la librairie typing pour lui dire qu'il y a certains éléments qui seront optionnels, c'est-à-dire qui sont potentiellement à une valeur nulle, s'ils n'ont rien, s'ils n'existent pas. On aura également euh, l'import ben, de, des événements, la petit code event, et puis les actions pour pouvoir les utiliser. On vous dit ce que je venais de vous dire, on crée une classe EventHandler qui est une sous-classe de event dispatch de la librairie T-code. Très bien. Et dans les méthodes qui existent, on va avoir un événement euh, pour le fameux euh, euh, quit. Alors, est-ce qu'il donne des détails OK. Donc ça intercepte le fait de cliquer sur le bouton euh, qui ferme la fenêtre. On l'avait mis directement dans... Euh, dans le fichier main, vous allez voir qu'on va le modifier pour prendre en compte ça. Ça, ça décrit la même chose que tout à l'heure. C'est pour gérer le fait de cliquer sur la petite croix rouge de votre terminal pour fermer et quitter proprement l'application. Ensuite, il y a la gestion euh, de l'événement key down quand on appuie sur une touche et euh, bah, ça va décrire en fait euh, les différentes touches et les différentes actions. Donc, on peut aller directement dans le code. Là, ce sera peut-être plus simple. Euh, voilà. Si on va vers le haut, bah, ce qu'on va faire, on va faire une action de mouvement. Euh, avec un dy euh, avec une valeur négative down avec un dy de 1 parce que je pense que les coordonnées c'est en haut à gauche ça doit être 0 0 en haut à gauche et pour ce qui est du escape eh ben, on va déclencher la escape action voilà là vu le nez ils vont, voilà, ils vont demander de remodifier très bien on va aller éditer notre euh, notre fichier hop je vais me mettre en mode original le fichier main, on va l'éditer. Alors qu'est-ce qu'ils veulent que je rajoute ça Je vais juste prendre les, les morceaux à rajouter. Euh, main, hop. Donc deux nouveaux imports. Et puis le fait de déclarer l'event handler, la classe donc qu'on a euh, créée à l'instant. Ils le mettent après le tileset set. Très bien. Hop respecter les indentations. On va enlever le, la gestion de l'événement de type quit qui était ici. Oui, on remplace par cette série-là. Voilà. Et là, normalement, j'ai tout bon. C'est propre, oui. Ouais. OK. Est-ce que j'ai bien tout sauvegardé Parce que des fois j'oublie de sauvegarder certains trucs, non, c'est bon. Euh, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a remplacé effectivement dans la boucle le fait de récupérer par la classe Eventender qu'on a créée, on récupère l'action. S'il n'y a pas d'action, bah, on dit simplement continue, ça veut dire juste tu, tu passes à la suite, hein, tu zappes. Euh, si euh, on a récupéré une instance de type mouvement, et bien on va incrémenter la position. Player X, Player Y. Si c'est Escape, on va quitter le jeu. On va vérifier. Event not defined. Ah oui, bah il me le signale en plus, là, qu'est-ce que j'ai oublié de copier Ça, ça sent un oubli de ma part. Euh... Ah, mais c'est moi qui quel... Oh là là. Ah, vous ne suivez pas, hein. ou alors je ne suis pas passionnant. Mais ici, ce qui s'est passé... Hop. Voilà. Ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé, euh, au lieu d'enlever juste à partir du if, j'ai enlevé tout le reste. Quelle erreur Il fallait bien être dans la boucle qui récupère les, les événements. Moi, j'ai tout zappé d'un coup. Évidemment que ça ne marchait pas. My bad Donc voilà, j'ai donc mon petit euh, au milieu. Et donc, vous voyez, si je me déplace. Il se déplace bien, il met à la nouvelle position. Alors, c'est ce qu'ils mettent dans le, le, le tuto c'est euh, attention, euh, c'est peut-être pas ce que vous vouliez faire. Mais effectivement, quand on déplace euh, son personnage dans un jeu. Salut Aurélie Si on déplace son personnage dans un jeu, bon, on s'attend quand même à ce que euh, bah, ça, ça déplace le personnage et non pas euh, ça continue à l'infini euh, sans effacer. Je vais tester la touche échappe et ça quitte bien le jeu. Donc on a bien un arrobas qui s'affiche, il se déplace même si ce n'est pas de manière propre. Et alors est-ce qu'il y en a pour long Écoute, je profite, monsieur... Euh, monsieur Pulpito, si tu es toujours là, je sais qu'on a une réunion dans 4 minutes, si jamais ça déborde un peu, c'est parce que je finis le, le live. Hein. On va juste terminer cette partie-là, ce serait dommage euh, de pas... Euh, surtout que ça va être vite fait. <laughs> oui d'accord, ben, on va vite finir, ça se trouve je vais être à l'heure. Donc l'idée... C'est de rajouter dans votre boucle comme on avait tout à l'heure. Hop, que je fasse pas de boulettes. On a dit euh, je. c'est bizarre qu'il le fasse dans ce sens, mais admettons. Qui serais-je pour les contester on, on a le fameux contexte où on va envoyer la route console qui contient le. Le arrow base à la position qu'on a dessinée et puis derrière il fait un console clear. Moi j'aurais plutôt fait dans l'autre sens. J'aurais d'abord fait le clear puis affiché les choses. J'irai lire le détail dans la librairie de pourquoi dans ce sens-là. En tout cas, une chose de sûre, c'est que si je relance l'application maintenant, vous voyez, je me déplace et voilà. tout fonctionne. Vous euh, voyez aussi dans la console dessous, la console de, du terminal, qu'il y a visiblement d'autres méthodes euh, qui, vont, euh, qui vont disparaître. Euh, donc on, on fera peut-être une petite édition avant que je pousse le code sur GitLab. Oui, oui, je vais pousser le, le code sur, sur GitLab. Euh, C'est pour ça que je vous ai montré. Bah, D'ailleurs, on est large, j'ai deux minutes. Donc là, j'ai le code euh, bah, tel qu'il serait euh, euh, à présenter, même si je vais faire le ménage avec les méthodes là, qui me signalent euh, dans les futurs euh, des euh, Hop. Donc vous voyez, tous mes changements, là, si je vais dans la partie euh, Git de VS Code, ils sont tous là. Donc, vous pouvez individuellement les rajouter ou si vous mettez au-dessus des stage changes pardon au-dessus des changes pardon vous avez un gros plus qui dit que vous allez tout rajouter d'un coup voilà et donc on va dire que c'était les part 0 et part 1 comme ça on a les deux hop je lui ai commité le changement, donc j'ai un commit. On fera du détail sur Git hein, s'il y en a que ça intéresse, on prendra le temps. Et je fais un synchronize change. Il me dit que ça va... Oui, comme c'est la première fois, il vérifie qu'il y a... Il fait à la fois une vérification de, éventuellement des changements qui y eu sur le repository et il les repousse. <laughs> On va vouloir le chapeau à chaque Twitch. Bah, c'est envisageable, c'est les Twitch de l'été, donc pourquoi pas. Après, dans les réunions pro, je ne suis pas sûr, hein, on verra. Je ne sais, sais pas si c'est un collègue qui se cache derrière euh, S17N, mais euh, pourquoi pas. En tout cas, voilà, 13h59, j'ai poussé euh, les deux premiers euh, éléments, la part 0 et 1 de ce petit. Euh, weekly challenge, tu n'es pas un collègue mais ce n'est pas grave c'était une, une, une petite question au passage voilà, vous allez profiter du chapeau en plein écran euh, je partagerai le GitLab j'irai m'inscrire sur le canal Reddit en leur disant qu'on fait des lives dessus en français si ça les intéresse parce qu'il n'y avait que des anglophones jusque là je vous partagerai tout ça je le mettrai en lien dans le replay et je vous le remettrai sur Twitter et puis oh bah voilà, il suffit qu'on termine pour que SquadRacer fait un petit raid on va attendre poliment deux secondes. Moi j'étais à l'heure. Hein. Désolé Olivier, euh, je vais rater le début de la réunion pro. <laughs> le raid qui tombe bien au moment où je termine. Salut Squadresser! C'est vrai que c'est arrivé que je termine normalement l'émission bien plus tôt et j'envoie un raid chez Squadresser, que je vous conseille sur Twitch au passage si ça vous branche. Euh, bah, malheureusement, voilà, on a terminé le. Je peux au moins. De toute façon, je suis trop bavard pour quitter la. Le Twitch comme ça, c'était. Alors j'ai montré à tout le monde. Hop, je vais remettre les liens. On a le lien pour euh, pirate pour apprendre à coder. Voilà. Et on avait tout ce qui était. Voilà, ça c'était le tweet d'origine qui permettait d'atterrir sur le la discussion sur Reddit sur le roguelike euh, tutorial qui a démarré le, la semaine dernière, mardi dernier. Euh, la page où je voulais mettre aussi celle-ci, qui résume les gens qui participent. Hop. Et puis le, euh, voilà, le découpage en, en étapes semaine par semaine. Et le tutoriel en lui-même qu'on vient de suivre tous ensemble. Voilà. Je continuerai, alors a priori en live, sauf si ça vous plaît pas du tout. Hein. Et, et encore désolé, voilà, euh, vous êtes arrivé d'un raid qui malheureusement arrive aussi sur une émission qui se termine. Euh, j'ai pas il la... faut vraiment que j'y aille parce que j'ai quand même mon brave collègue qui risque de m'attendre. On avait dit qu'on se croisait quand même à 14h, j'ai déjà 2 minutes de retard. Euh, vite, 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 euh, je suis connecté, bla, bla, bla parcourir, qu'est-ce qu'on a en software Ah ben voilà, cherchez pas, j'ai trouvé. On va pouvoir lancer un raid. Tu aimes quand je code en Python Mais moi aussi, j'aime bien coder en Python. Je vous referai des lives sur la suite. Si, j'ai mes collègues qui regardent mes streams, mais ils sont plusieurs à être... Euh... Arriver à, à DEV aujourd'hui ou dans le train. Euh, et je vous propose qu'on se quitte, tac, avec un petit raid, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas fait, chez l'ami euh, Binaugure. Ouais, ouais, ils ont qu'à venir ici, on continue. <laughs> et moi, je vais aussi aller boire un coup, euh, prendre deux minutes, il euh, n'y a pas de raison. Je... Bah, je balance le raid. Je vous invite à faire un petit coucou à Binogur. Et puis, Olivier, je te dis à tout de suite. On va se retrouver pour cette petite réunion vite fait. En tout cas, euh, bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit live coding. Ça m'a bien donné envie de, de continuer. On verra quel jour je vous refais la suite. Et il faut que je m'hydrate, car je suis l'ami âgé qui se blesse parfois. <laughs> Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Euh, probablement... Allez, on va, on va dire que je vais tenter, euh, peut-être mercredi midi, de vous faire la suite, puisque c'est demain qu'il y a le, le démarrage de la deuxième semaine du Roguelike Tutorial. Et puis on verra ce que ça donne, au pire je le ferai euh, sur les canaux classiques. Allez, c'est parti pour un petit tour chez Binogur Ciao ciao